Bonjour à tous, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. L'épisode 3 de la carrière avec l'Olympique de Marseille, le voici. Un mois de septembre 2022, on avait fini le mercato. Et là, eh bien, on va commencer avec la Ligue des Champions. Enfin, on va d'abord, je pense que je vais le simuler, le match 3, ouais, on va le simuler. Et ensuite, on va enchaîner tout de suite. Le premier match sera donc bien celui contre le Sporting. À l'extérieur, on aura un très très beau match contre Nice. Bien sûr, le derby. La JA, Monaco et Francfort, on va voir. On va voir selon comment ça va se dérouler tout ça. Peut-être qu'on jouera le match de Francfort. Alors, on va continuer tout de suite. Alors, ce match face à 3, il va falloir faire des changements parce que le match du Sporting arrive juste dans la foulée. Donc, économiser peut-être pas tous les joueurs parce que je veux quand même qu'on gagne. Mais ceux qui ont le moins d'endurance ne vont peut-être pas jouer. Là, je vous regarde l'endurance, je vois qu'il y en a beaucoup qui manquent d'endurance, notamment tous les deux. Ils sont assez vieux, hein, c'est normal. Donc, on va mettre par exemple Suarez. Bon, allez, il faut le replacer BU parce que par défaut, c'est AT. Aminarit, on va le faire jouer également à la place de Payet. Voilà. À la limite, je vais même enlever Guendouzi pour le garder au frais et mettre un Gerson. Impeccable. Et ensuite, qui on a là qui est pas trop endurant? Ouais, peut-être Gigot. Gigot, pas très endurant. On va mettre Bailly. Voilà, comme ça fait un petit peu tourner en même temps. Et on a d'autres possibilités. Allez, on fait une simulation rapide face aux Troyens. À l'extérieur, pour l'instant, tout se déroule bien. Et on a gagné. 3-1, but d'Embemba à la fin. Alors que Under et Klos avaient ouvert le score. Jonathan Klos étale toute sa classe. Alors, est-ce qu'on a bien géré tout notre effectif? Ouais, c'est bon, tout le monde est en forme. Ah, j'avais hésité à changer Tavares, c'est vrai que j'aurais dû le faire. J'aurais dû mettre notre recrue Lazovic. D'ailleurs, il est pas sur le... Non, c'est vrai qu'il est là dans la réserve. On va le mettre sur le banc. Bailly aussi, hein, il a pas beaucoup de forme. Est-ce que je mets un latéral de plus? Ouais, je vais mettre Caboret parce que Klos, je vois qu'il a un peu moins de forme. C'est peut-être lui que je vais changer en cours de rencontre. Under aussi, hein. Finalement, il y a plusieurs joueurs qui sont en manque de forme. On va mettre Kolasinac aussi. Ouais, c'est bien. Il faut gérer un petit peu. Ça va le faire. Bon, ben, c'est un vrai test, hein. Le Sporting Portugal, c'est une sacrée équipe quand même. On a vu d'ailleurs leur début de campagne en Ligue des Champions. Ils sont très très bons. Hein. Allez, c'est parti donc pour ce match face au Sporting Portugal. Ils n'ont pas leur stade, hein. Non, ça c'est Sanderson Park, il me semble. Enfin non, c'est Wallstadion. Wallstadion, malheureusement, il y a Benfica et Porto qui ont leur stade, mais pas le Sporting. C'est bien dommage, parce que c'est une équipe qui a de grandes qualités et qui a fait une superbe saison aussi. Donc, ils méritaient peut-être d'avoir ce stade. Alexis Sanchez, on a l'impression qu'il y a des espaces, surtout sur les côtés. Notre formation implique aussi cela. Et ça, c'est un bon centre, la reprise de Payet, la parade du gardien. Ça a été repoussé sur le poteau. C'est pas terminé. Ouh là 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 là. De grosses occasions. On a pris seulement 6 minutes de jeu. Ah, il faut les convertir. Edwards. Hein. Edwards qui va trouver Nazinho. Harry Kane qui a marqué face à Francfort. Attention à ce ballon. Que ce soit pas la même chose. Les maillots, c'est un petit peu limite, je trouve. Oh, Guendouzi, c'est bon. En tout cas, sur mon écran, ça rend pas très bien. Nuno Tavares avec Payet. Alexis Sanchez. Et l'appel de Rongier. Ah, c'était pas vraiment en profondeur. Cette passe de Tavares, c'est un petit peu raté. Le centré, pas trop mal, mais il n'y avait personne à cet endroit-là, malheureusement. Ah, on n'a pas de solution claire. Hein. Pour l'instant, Klos. Guendouzi. On va retrouver Jonathan Klos. L'ancien lanceur. Ça a été... touché puis repoussé par le gardien. Belle réaction d'ailleurs, hein, de sa part, parce que un ballon contré, c'est pas évident. On va mettre encore plus de puissance. Et là, c'est loin. Là, c'est loin des buts. Allez, Rongier. Rongier, le contrôle. La frappe de Valentin Rongier. Et cette fois, il a marqué en match officiel. Il a énormément fait en match de prépa. Et bien, il marque dans un match super important contre le Sporting. Une frappe lointaine. On a eu tellement de corners, de ballons qui étaient mal renvoyés par la défense, que ça a fini par rentrer à force. Là, c'est un petit peu lobé le gardien. Elle était haute, cette frappe. Change de but. Ah oui, d'accord. Et ouais, il a été... il aurait pu la prendre, je pense. Il était peut-être un petit peu masqué par sa défense aussi. Paulinho. Aïe, aïe, aïe. Je pensais l'intercepter avec ce tacle. Edwards. Attention au retrait. Il a que ça à faire, de toute façon. Un petit retrait, mais il faut pas le laisser non plus rentrer. Dans cette surface, c'est Gigot qui l'a repoussé dans les bras de Paul Lopez, qui l'avait tout d'abord contré. Ce sera peut-être le moment de faire entrer Lazovic.
Ah, il est hors jeu lui. Et Njika qui va repousser une première fois, mais c'est pas terminé. Attention, Mbemba, c'est bon. Allez, 62e, je vais faire le changement. On voit que les pistons ont tendance à monter, ils sont trop offensifs alors qu'on mène. Donc on va faire nos changements. Alors attention, parce que Kabore, il doit avoir quand même... fait voir à Jonathan Kloss, élevé, élevé. Je pense que Kabore aussi a élevé. Hein. Ouais, élevé, moyen. Ouais, bon, écoutez, on va quand même privilégier le retour, enfin, la forme du joueur. Et on va faire ce changement-là également. Guendouzi qui a déjà joué avec Tudor à ce poste-là. Eh bien joué Gigot. Et ça, c'est une belle sortie. Attention, à pas la perdre. Gigot était sorti. Super ça pour Suarez. Bonne entrée. Luis Suarez, le petit centre. Allez, la frappe de Luis Suarez. Ah, ils étaient pris, mes coéquipiers. Je tentais la frappe. Et les changements. Ah ouais, ces changements-là, je les avais fait il y a trois quarts d'heure, quoi. Allez, allez. Ah, super. Payet, hein. Avec Veretout. On va croiser. La frappe de Veretout qui est magnifique. Il avait marqué au dernier épisode. Et là, il nous permet de conclure cette victoire 2-0. Jordan Veretout. Lui, il est modélisé au moins. Superbe, hein, cette barre entrante. Un Sporting Portugal qui n'est pas très performant dans ce match. Je m'attendais à bien plus fort. Bon, faut dire que je pense qu'ils ont perdu pas mal de joueurs au Mercato. Pas vu Gonçalves, par exemple. Et Jordan Veretout, très bien placé. 21,4 mètres. Et en plus, il a mis sur la barre, donc difficile d'aller la chercher. Pour le gardien, ça serait une bonne entrée en matière dans cette Ligue des Champions. 2-0, c'est une très très bonne victoire à l'extérieur. Allez, le match qui va se conclure. Attention, ne pas prendre de but. Sur la fin, on est bien avec l'invincibilité. Ah, ce ballon. Ah, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu de toute façon. Et c'est terminé dans la foulée. Écoutez, une victoire 2-0, comme je le disais. C'est une très bonne opération. On ne pouvait pas mieux commencer. Apparemment, les Spurs ont gagné aussi de leur côté. 7-1, je vous l'ai dit. Hein, le Sporting qui n'a pas été performant du tout. Alors, je voulais faire un truc. Je voulais faire un truc. Kabore, j'aimerais bien le changer. Je l'avais fait de le changer en MD ou pas? Non, je l'avais pas fait. Hein. Je l'avais pas fait. 28 semaines quand même. Hein. 28 semaines. Pourquoi 28 semaines? Ah, c'est parce qu'il a des stats dégueulasses en tir, déjà. Je pense que ça doit jouer quand même. 23 de finition, c'est vraiment dégueulasse. Mais on va lui mettre. On va lui mettre attaquant complet. Ça, il va augmenter un petit peu plus vite. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut pas hésiter à mettre ce genre de plan de développement pour que vos joueurs aillent plus vite dans leur progression. Normalement, je vous sortirai une vidéo par rapport à ça si elle n'est pas déjà sortie au moment où je tourne celle-ci. En tout cas, je la tournerai après. Lui, on va lui mettre mauvais pied. C'est plutôt cool qu'il soit bon aussi du pied droit. Et puis, on voit qu'il y a pas mal de stats en défense qui sont améliorées. Ça prend que 11 semaines, donc c'est bien. C'est bien. Et vous voyez que les plans précis sont beaucoup plus rapides qu'équilibrés, ce qui fait que c'est plus rapide de mettre des plans de développement que de rester sur équilibré pour que le joueur augmente. Par contre, il a l'air d'être assez bon. On va le promouvoir pour voir tout de suite s'il a un potentiel intéressant. Moi, je vois bien doté d'un énorme potentiel, pas plus pour Ray. Ouais, c'est ça. Allez, vous voyez, j'ai bien senti le truc. Allez, on va le mettre tout de suite sur la liste des prêts. Impeccable. Et on va donc passer et jouer ce match. On retrouve le Stade Vélodrome pour affronter les Aiglons qui jouent aussi l'Europe, le GC Nice. Donc NJK, il est fatigué, ça tombe bien, on va mettre Kolasinac. Avec la Ligue des Champions, on va pouvoir faire tourner suffisamment. Ça, c'est quand même assez cool. Ce qu'il faudra que je fasse aussi, c'est de mettre de temps en temps Touré. Faut qu'il progresse encore un petit peu pour que je puisse lui faire démarrer ce type de rencontre, surtout contre Nice, c'est quand même un match qui compte. Et on va mettre Harit. On va mettre Harit derrière Sanchez. Reposer aussi un petit peu Payet. Voilà, Lazovic, on le met pas, mais c'est possible que je le change. On met Eric Bailly aussi. C'est vrai qu'on n'a pas trop joué avec Bailly. Je l'ai surtout mis dans les moments forts et tout. Et Rongier également. On va mettre Veretout. Voilà, ça fait un petit peu tourner sans perdre trop en qualité, hein, comme vous l'avez vu. Donc, allez, c'est parti aussi. Ils ont des joueurs qui ont pris un peu de fatigue. Allez, le Stade Vélodrome que l'on retrouve avec plaisir pour affronter l'OGC Nice, un match très chaud. Bon, on l'a vu la saison dernière, malheureusement, c'était pas les plus belles images qu'on veut voir du foot. Mais ça a été, j'espère que ça se reproduira plus, ça a été réglé. Maintenant, ils font un peu plus attention quand même. Il y avait des stades qui utilisaient déjà le système de filet, comme le Vélodrome notamment. Et c'est vrai que maintenant, il y a plus de vigilance pour les stadiers, mais c'est sûr que c'est pas facile pour eux non plus, faut le dire.
Et donc nous sommes à la 6ème journée de Ligue 1 face à Nice. Pour l'instant, tout va bien. Donc ça serait bien d'enchaîner ici sur notre terrain. Voilà, l'entrée, encore une fois. Bon, du coup, on a beaucoup d'arbitres féminins. Alors que c'est quand même une minorité, finalement, dans le foot. Hein. Pour le foot masculin, en tout cas, je l'entends. Attention, on verrait tout. On va changer de l'autre côté. Tavares qui va hériter du ballon du pied gauche de Tavares. Fais voir si ça frappait. Ouais, elle était quand même un peu trop facile pour Schmeichel. D'ailleurs, il en avait mis un à ce gardien contre Nice. La victoire 3-0 des Marseillais à l'extérieur. Ouh, il est passé au travers, Rosario. Le numéro 8 niçois avec la board qui a voulu retrouver Rosario. C'était pas le bon choix, hein, loin de là. Nicolas Pepe qui va centrer et ce ballon qui est mal envoyé. Andy Delors qui garde le ballon. Et là, il y avait trop de monde devant lui. Allez, Veretout. Under. Ouais, ça s'est vite refermé. J'avais une petite fenêtre, mais ça s'est refermé très vite. Harit, le centre. J'ai tiré de suite. Mais Sanchez, il a quand même contrôlé la board. Et encore le tac de Bailly qui nous régale. Il se régale. Hein. Il a mis deux traces sur le terrain, là, sur le côté gauche. Alors, on est à 31 mètres. Ah, on a l'impression que c'est encore plus long avec la caméra, là. C'était pas comme ça avant. On n'a pas de gros joueurs. Hein. On a plus d'effets avec lui, on va le mettre. Alors, fais voir. C'est vrai que Klos est pas si mal aussi en coup franc. Ballon piqué, non, je veux plus que ballon piqué là. Voilà, intérieur du pied brossé. Et hop, j'ai appuyé sur time finish et c'était pas si mal. Il faut que je m'entraîne. Encore sur les coups francs, on était loin. Bailly quand même bien placé à chaque fois. Et ouais, là j'étais en train de revenir sur lui. Ah, le tacle. Ah, je pensais pas qu'il allait faire. Qu'il allait revenir en arrière avec ce ballon, faire ce râteau, la board. Et du coup, j'ai taclé pour une éventuelle frappe ou une éventuelle accélération vers l'avant. Forcément, j'ai pris son pied. Puisqu'il a reculé. Et attention au coup franc. Il a tiré très vite, Nicolas Pepe. J'ai été bloqué en plus. Oh, magnifique. Magnifique, j'ai pris un carton jaune. Aïe, 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 aïe. Joli. Franchement, joli. Bravo, bravo. Il était très, très bien. Hein. Très, très bien tiré, là. Bon. Après, Nice ne démérite pas hein, sur l'ensemble de la rencontre. On a manqué de précision dans la dernière passe. Et c'est vrai qu'ils ont eu pas mal d'incursions. Sans vraiment d'occasion. Là, c'était une des premières grosses occasions et c'était bien tiré par l'ancien Lillois. La board qui va chercher la solution, c'est Nicolas Pepe qui l'a trouvé. Aïe, 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 aïe. Delors. Delors, il est seul. Oh, il faut le marquage. Le marquage, on retrouve des défauts de la préparation là, avec ce but, à savoir un manque de marquage. En plus, c'est au point de pénalty. C'est vraiment l'endroit que tu dois couvrir le plus dans ta défense. C'est bien cet axe-là. Et certes, je suis sorti avec un défenseur, mais ça doit coulisser rapidement. T'as les milieux défensifs aussi qui doivent travailler. Ouais, le problème, c'est ça. C'est que je suis allé avec Guendouzi et Bailly. Je sais pas si j'ai appuyé sur la touche de pressing en même temps. Mais Guendouzi aurait dû être sur Rosario, en fait. Hein. C'est peut-être aussi ma faute. Avec Bailly, en plus, c'est plus compliqué de défendre. Parce que là, je peux plus faire de dinguerie. Alors, j'ai fait une petite feinte du gardien. Si ça avait été en ligne, il aurait tiré. Mais on n'est pas en ligne. Aïe, Paul Lopez, il nous maintient encore un peu dans ce match. Parce que là, on subit énormément dans cette rencontre. Alors que Brest a marqué. C'est anecdotique. Suarez. Alexis Sanchez. Maintenant. Allez. Allez, encore. Voilà, c'est bien. Il n'a pas lâché. Sanchez, le centre. Allez, Suarez avec Payet. C'est la réduction du score. Oh, j'ai tiré vraiment tard quand même. Hein. Je me suis dit, oh mince, j'aurais dû tirer avant. Mais non, ça va, c'est quand même rentré avec Dimitri Payet hein, qui justement venait de rentrer. Voilà, avec Jonathan Klos, la petite talonnade. Suarez a su quand même conserver le ballon. Il s'est pas fait bousculer par le défenseur. Quatrième but quand même en 6 matchs hein, pour notre numéro 10. Oh, Nicolas Pepe qui est passé au travers. Nicolas Pepe. Qui va centrer, si on se prend le... Oh là 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 là, quelle action encore des Niçois. En grande forme, hein, c'est Niçois. Et c'est fini, c'est fini. Ah, quoique, on peut l'embêter. Non, c'est malheureusement, c'est fini. Bravo à Nice pour cette victoire. Ils nous ont eu tout simplement, ils ont été meilleurs. Eux, contrairement à nous, au fil du match, ils ont réussi à hausser leur niveau de jeu. Parce que c'est vrai que le début de match n'était pas génial. Et franchement, ils méritent leur victoire. Il n'y a rien à dire.
Et bah écoutez, il va falloir se relever de ça, la première défaite, en tout cas en match officiel. Alors, la JA, du coup, ça se présente comment au niveau du calendrier? Alors, la JA, on va le faire en moment fort, les gars. On va le faire en moment fort. Et je crois que Monaco, on va faire pareil. Je crois que Monaco, on va faire pareil. Alors, jouer. Vas-y, jouer. On va jouer les temps forts. Attendez, alors je vais faire un petit peu de changement quand même. Ah, Suarez qui est passé à 77. Bamba Dieng, il a pas bougé lui. Mais cette fois, ouais, il a moins 2 quand même en termes de tranchant. Il faudrait que je sélectionne d'autres joueurs, je pense, c'est sur les entraînements. Les entraînements, je les fais, mais le problème, c'est que je sélectionne pas assez ceux qui sont en réserve. C'est ça le souci. On va mettre Lazovic. Voilà. Ensuite, j'hésite à mettre Touré, c'est un petit peu dangereux quand même. Ouais, il a passé de général, on vient de perdre en plus. Je pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Par contre, on va mettre Suarez qui a fait plutôt une bonne rentrée. Voilà. Tandis qu'Under, ces derniers matchs, ça va moins bien que ce qu'il a pu montrer. Et on va mettre un duo Rongier-Gerson, pardon. Allez, on va jouer ça en temps fort. Attention, parce que ça peut quand même aller au bout, hein. Ouf, heureusement, Gigot, il était là pour repousser. Alors, en attaquant. Nous avons la GIA encore. Pour l'instant, on est dominé. Après 20 minutes de jeu, c'est la GIA. Bon, là, c'était simple. Et un contre pour nous. On a deux joueurs devant. On a deux défenseurs auxerrois. Comment on peut la jouer? Déjà, je pense qu'il vaut mieux la contrôler. Avancer au maximum. Se servir pardon, de Suarez. Ranger à nouveau. Et décaler à gauche. Hein. J'ai pas beaucoup de solutions. À ce moment-là, la frappe de Suarez, mais un manque de précision. En attaque. Allez, de nouveau. On va la tenter. J'hésite à la mettre. C'est Under qui fait l'appel. Gerson. Gerson, là, il fait un bon appel. Et l'ouverture du score. Signé Gerson. Ah, je pensais que le gardien allait bien couvrir son poteau et aller le repousser, mais non, c'est passé. Le Brésilien qui marque, ça doit être son premier but, non? Je crois, il me semble, en tout cas. Mais bien joué. C'est vrai qu'il ne monte pas les ralentis. On a une nouvelle contre-attaque, les gars. Et là, à droite, on a deux joueurs qui sont partis sur le radar. Ah, je vais la tenter. Ah, c'était. Vous voyez, souvent, vous avez l'impression que vous pouvez faire un LBY ou une passe en profondeur. Mais. Oh là, un pénalty à gérer. Un pénalty à gérer. Mais ça bouge très vite, les joueurs. Du coup, c'est pas forcément évident. Alors, je pense qu'il va tirer. Oh là là là, la Charbonnier qui nous met une panenka. Aïe 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 aïe. J'espère qu'il va nous en rester une. Par contre là je pourrais pas y aller tout seul avec Payet, ça c'est sûr. On est obligé de chercher un appui. Allez. Ah ouais. Avec Payet, ça c'est compliqué. Ça c'est très compliqué. Est-ce que c'est fini? Ouais, c'est fini. C'est fini, match nul, un but partout sur cette pelouse d'Auxerre, l'Abbé Deschamps. Malheureusement, bah écoutez, on n'a pas bien joué les coups. Et on s'est pris un penalty, c'est bien dommage. Encore des points ratés là sur le coup, sur ce coup. On va faire suivant. Ouais, comme j'ai dit, Monaco, on va le faire en moment fort parce que ah, on a une option de changement de poste pour plusieurs joueurs. Pour notre joueur, notre jeune déjà, lui qui a 17 ans d'ailleurs, on va le recruter, on va le mettre en prêt, promouvoir. Ah, il avait que ouais, j'avais pas vu que c'était mis à jour à 88. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un DG, donc on va. Ah, voilà, doté d'un énorme potentiel, ça reste intéressant. Et c'est qui que j'ai vu déjà? C'est Tavares, c'était Tavares. Tavares, qui aura eu le changement beaucoup plus tôt que prévu, je crois, hein, parce qu'il avait beaucoup de semaines. Ouais, non, ça a été plutôt prévu, il a pas gagné de général par contre, mais il sera plus efficace sans doute en ayant le bon poste par rapport à la compo. On va passer jouer le match, vous avez vu, on a le match de Ligue des Champions juste après, ça sera le dernier match de l'épisode. Et ouais, là je voulais voir un petit peu ce que ça donnait niveau moment fort quand vous jouez une équipe un peu plus importante, et comme ça nous permettra d'avancer un peu plus vite dans le calendrier. C'est très sympa, hein. Franchement, c'est moment fort. Parfois, je vous l'ai dit, hein, ça manque un petit peu d'action, mais ça reste super. Alors, bon, les joueurs qui se fatiguent le plus, maintenant, on commence à les connaître. Hein. On commence à les connaître. C'est quand même Monaco en face, donc on va pas faire non plus énormément de changements. J'ai mis Suarez en attaque à la place de Sanchez. On va le reposer et puis on va mettre Harit. Voilà, c'est les changements que j'aime bien faire. Ensuite, le reste, ça devrait tenir sa place et on pourra les changer au cas où lors du match de Ligue des Champions. Allez, jouer temps fort, c'est parti.
On joue quand même au Vélodrome, mais normalement, Francfort, on jouera dans ce stade aussi. Donc on aura l'occasion de retrouver notre enceinte pour la 8e journée face à Monaco. On reste sur une défaite, un match nul. Allez, il faut se reprendre maintenant. Paul Lopez qui faisait un grand début de saison, ça n'enlève rien d'ailleurs à ses performances. Hein. C'est pas forcément sa faute sur les défaites, d'ailleurs il avait été encore performant. Tchata qui va essayer de provoquer. Tchata qui va trouver la meilleure solution, sans doute Voland. Kevin Voland qui met dans le dos d'Endika. Endika qui est bien revenu, c'est cool. 29e maintenant, ah c'est toujours Monaco. On se fait dominer pour l'instant, enfin, en tout cas on a l'air d'avoir la possession, mais c'est eux qui sont les plus efficaces, et là ça va être dur à gérer. Ah ça va, on avait quand même du temps avant qu'il la contrôle. Le capitaine monégasque s'est bien donné dans la surface. Attention à cette frappe et l'ouverture du score de Diatta. 3e contre-attaque, et ce fut la bonne. Crépin Diatta, qui n'est pas modélisé, lui non plus. Bon allez, je pense qu'on va en avoir quand même. Ah, oh, pénalty pour Monaco, c'est incroyable. C'est incroyable, allez, il faut que je la sorte les gars. Il faut que je la sorte, on va essayer de regarder. Où est son regard? Là, il est à droite, son regard, il est à droite. Oui, c'est bon. Allez, on l'a sorti, on reste dans le match. Ah voilà, un peu des trucs pour nous aussi, 40e à peine. On est, c'est que maintenant qu'on a des actions. Alors, Under. Suarez, j'aurais pu lui mettre, mais il y avait tellement de joueurs de Monaco, c'était dur à trouver l'angle pour pas qu'elle soit contrée, ma passe. Mais ça, c'est un bon ballon pour Suarez. L'égalisation de Luis Suarez avant la mi-temps. Eh ouais, il était important cet arrêt sur penalty parce qu'il nous permet de revenir dans le match avec Suarez. Attention, parce que là, on a un contre un directement après le but. Avant la mi-temps, toujours, effectivement, on a beaucoup plus d'action. Oula, par contre, pas compris là, la sortie. Je pensais pas qu'elle serait si rapide de la part de Gigot, mais ça va. Il est parti un peu excentré. Ouais, c'est bon, on a bien joué le coup. Un coup franc pour les monégasques. C'est énervant parce que sur toutes les séquences de coup franc, on n'a pas le radar. Oh non, oh non, la mauvaise relance. Ah, oh, la mauvaise relance. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. J'aurais dû peut-être viser le corner, mais c'est tellement compliqué d'aller chercher le corner. C'est moi qui ai recruté Grimaldo. J'ai cru voir Grimaldo. Mais ouais, c'était dur. Allez, il va nous rester quand même des actions, les gars. Il faut qu'on aille la chercher. Et regardez là, à droite, il part tout seul. Il part tout seul. Ah, finalement, ça s'est bien refermé. La défense qui a bien fait les choses. Harit qui est bien parti. Harit, il faut croiser l'égalisation d'Amin Harit. Il n'est pas fini, ce match. Amin Harit pour le 2-2. Allez, j'espère qu'on aura cette fois l'occasion de passer devant eux. À chaque fois qu'on a marqué, on s'est pris des actions contre nous. Attention. Allez. Ouais, c'est bon, Ndika. Super. Super, ouais, c'est fini. C'est fini, un 2-2. C'est mérité sur l'ensemble de la rencontre. Enfin, mérité, c'est logique, je veux dire. Parce qu'il y a eu des occasions de part et d'autre. Ils en ont même eu plus. Donc, on s'en est finalement pas trop mal sorti. On s'en est finalement pas trop mal sorti. J'avais bien vu qu'il y avait Grimaldo dans l'équipe. Et 2-2. Bon. Allez, il va falloir reprendre des points prochainement, ça sera au prochain épisode. On va regarder le classement de Ligue 1, et ensuite on va se reconcentrer sur la Ligue des Champions, où pour le coup on est pas trop mal, on est deuxième derrière les Spurs. C'est que le début bien sûr. On reste deuxième hein, quand même, on reste deuxième, donc ça va. En fait, on avait tellement fait un bon début de saison que ça n'a pas eu trop de conséquences, mais Lyon en a profité pour passer devant nous. Lyon qui s'est bien rattrapé et qui est désormais à 6 victoires, une défaite. Bon, ça va. Je m'attendais à bien pire, c'est dommage parce que dans cet épisode, ça s'est pas très bien passé. J'ai fait le choix de faire un peu des moments forts, mais c'était voulu et on a eu des difficultés quand même contre Monaco. Francfort, bon, on voit qu'Under a moins de forme. Il y en a un qui est plutôt performant en ce moment, c'est Suarez. Je vais quand même l'enlever du banc et mettre Jang parce qu'il a moins de forme, voilà. Under, j'hésite à le faire débuter. Harit a plutôt bien joué aussi. Gerson est plutôt bon en ce moment. Allez, on va mettre Gerson à droite. Voilà. Plutôt à droite pour se gaucher parce que pour frapper, ça sera mieux. Klos, ok. Rongier, Tavares, Gigot qui a toujours un petit peu moins de forme. On va remettre de l'expérience avec Eric Bailly, pardon, même s'il a un petit peu moins de forme. Et Lazovic, on va l'intégrer au banc.
à la place d'Harit, qui justement lui est assez fatigué. Voilà, on peut même mettre Kolasinac à la place de Gigot, qui manque un peu de forme. Allez, on retrouve le Stade Vélodrome en espérant que ça se passe mieux cette fois que ce qu'on a pu montrer en Ligue 1. Owen Francfort, bon, on a vu le match que c'était dans la réalité. Ah, il était horrible ce match, il était vraiment horrible. L'OM a vraiment montré... Après, en plus, quand on avait vu ce qu'ils avaient montré à Tottenham, pour une fois qu'ils montaient vraiment en puissance, qu'ils avaient tenu une mi-temps, bon, après, le match a été tué par le rouge. Mais c'était quand même beaucoup plus intéressant que ce que l'OM avait fait il y a quelques années. Disons qu'on avait l'impression que ça avait vraiment le niveau Ligue des Champions en termes d'engagement. Et contre Francfort, on est retombé vraiment dans nos travers. Donc c'est ça aussi que je reproche à l'OM. Sans doute que quand j'aurai sorti cette vidéo, un troisième match de Ligue des Champions sera passé entre-temps, celui contre le Sporting. Cache avec Ludovic Blas. Le tacle était un peu en retard. Et l'ouverture du score de Francfort. Aïe, 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 aïe. Allez. On n'est pas bien en ce moment-là. Mes formes qui se confirment avec cet entame. Ah, j'étais pas loin, mais comment il a pu passer au travers comme ça? C'est soit il faisait faute, soit il touchait le ballon, quoi. Je comprends pas comment il a pu passer derrière. Ludovic Blas qui ouvre le score, l'ancien Nantais. Les paillettes, ça c'est bien. Rongier, je voulais lui donner, mais c'était pas possible. C'est qui? Vous êtes sûr c'est Rongier, ça? Non, parce que les buts qu'il nous met, c'est incroyable. Incroyable cet enroulé de Valentin Rongier. Je le voyais pas si bien. Je me suis dit, allez, je vais la tenter. Y a moyen que ça passe. En général, ces enroulés-là, ils sont pas toujours très bien exécutés par des joueurs, en tout cas, qui ont pas forcément de bonnes frappes. Enfin, voir les stats de Rongier, quand même. Mais là, il a bien tiré. Hein. Après, quand il était à Nantes, il en mettait quelques-unes. Hein. À l'Ario. Et le retour de Rongier. Il est dedans, Rongier. Gerson. Et Payet qui est bien parti. Ah, le problème, c'est que c'est refermé sur lui. Tavares, le crochet, la frappe du droit. Et Guendouzi qui va la repousser. Et bon. Klos. On va retrouver Guendouzi. Je sais pas pourquoi je l'ai levé. C'était pas forcément nécessaire. Par contre, ça, c'est pas mal. Le centre est bon et le retourné acrobatique. Il y avait une bonne idée, mais l'exécution était dégueulasse. On va pas se mentir. Ouh, attention, le tac, je suis passé un petit peu au travers. Mario Götze. Ah, il va trouver l'axe. Ouais, là, c'était sûr en deux temps, mais c'est arrivé. Et Bailly. Allez, non. Oh non, sérieux, il a pas dégagé. Ah, oh, il est resté bloqué, mon joueur. Ah, oh, c'était qui s'était rongé, je crois. Oh là 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 là. Là, il apprend, je fais la passe à Rongier. En soi, je pense que c'était pas une erreur, mais le problème, c'est que Rongier ne dégage pas assez vite, quoi. Ah, il a mis 2 ans, il avait quand même un petit peu de temps, un petit peu de... Je sais pas, bon. Là, l'idéal aurait été de la mettre à Paul Lopez directement, mais est-ce que j'avais le temps de vraiment charger suffisamment pour la mettre à Paul Lopez? Ça, c'est une autre affaire. Ça. Dimitri Payet. Rogerson. Non, Payet, je pense que... C'était compliqué, par contre, Gerson, c'est bon. Et ensuite, Alexis Sanchez, la finition du Chilien qui est toujours excellente. Le réalisme parfait. Et en plus, il n'a pas touché beaucoup de ballons hein, dans ce match, donc c'est encore plus beau. Allez, 2-2 maintenant. Bon, c'est un match difficile, on peut prendre des buts à tout moment, mais on peut en marquer aussi. Gerson, j'avais la possibilité de frapper avec Gerson, mais je voulais assurer en allant chercher Alexis Sanchez. Attention, c'est bon, Mbemba, le patron. Et il a fait quelques récupérations là dans cette deuxième période intéressante. Gerson va servir de sa protection de balle pour avancer. Payet, il y a Rongier, il y a surtout Tavares de l'autre côté. La frappe croisée de Nuno Tavares pour prendre l'avantage à l'heure de jeu. 3-2 face à Francfort. Voilà la verticalité qui a fait la différence avec l'apport du piston gauche. Son deuxième but, je crois, il avait marqué en Ligue 1, me semble. Là, c'est du pied gauche dans la surface. Voilà, belle finition, bravo, hein, franchement. Et on va faire des changements. On n'est qu'à l'heure de jeu, mais forcément, avec le nombre de matchs qu'on fait, on a des joueurs qui sont assez fatigués. Une doublette Veretout Gay, j'espère que ça va tenir. Ndika, est-ce que je vais rentrer? Ouais, je vais faire ça et je vais faire rentrer Lazovic ici. Et pour finir, Bamba Dieng
en attaque. Impeccable comme ça. Aïe. Attention. Non. Ah là 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 là. Ah, Francfort, ils nous ont tués là tout de suite. Ah, mais c'est bien Matchikash, mais il est vachement haut. Hein. C'est incroyable. Pourquoi il est si haut comme ça? Ils l'ont mis. Je sais pas. Je sais pas quel poste ils l'ont mis. Mais quel dommage. Quel dommage. Reprendre l'avantage. Et là, NJK, regardez, je sors n'importe comment. Ensuite, il a un petit compte favorable, c'est vrai, sur le geste technique. Mais encore une fois, le marquage qui est pas bon dans la surface. Je sais pas si c'est les défenses à 3 qui font ça. Mais le marquage est pas génial. Allez, c'est loin d'être terminé. On a fait rentrer du sang frais. Peut-être que ça va faire la différence aussi. Kolasinac. Alors, ils vont la jouer à deux. Jonathan Clauss, ils font un petit pressing. Non, il va la centrer. Attention, on est derrière lui. On est derrière lui. Et la belle sortie de Paul Lopez. J'avais appuyé sur la sortie du gardien. Je sais pas si ça a changé les choses. Mbemba. Chancel Mbemba. Allez, Jonathan Clauss. Ça, c'est bien. Veretout avec Payet. Lazovic. Allez, si on retrouve Payet, c'est bon. Payet. Il a mis du temps à frapper. Ah là 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 là. On a moyen, il y a moyen de le marquer ce but. Allez, il est bon ce corner. Ah, dommage. Est-ce que je peux la centrer? Il y a surtout Dieng qui était bien placé. Le défenseur avait tout lu. La récupération du jeune Bamba Dieng. Et Payet, encore une fois, qui se heurte à la défense et à Kevin Trapp. Oh là là, quel dommage, quel dommage. On avait les occasions. On a quand même bien joué. On manquait de réalisme quand même sur cette rencontre. C'était mieux dans le jeu que les précédents, mais... Manque de réalisme défensif et offensif aussi. Ah là là, dommage. Dommage, dommage. 4 points en ce début de Ligue des Champions. C'est pas si mal non plus. Ah, Dithiras, on se doit de le gagner à domicile. Ça va être rude. Ça va être difficile de se qualifier, bien sûr, dans ce groupe. Il y a de très très belles équipes. On aura des matchs intéressants, même si pour l'instant le Sporting n'a pas été très bon. Mais je suis sûr que sur les prochains, ils vont être plus performants. Et le prochain, ça sera Montpellier, en tout cas en Ligue 1. On va continuer et on va s'arrêter là. On va faire un petit bilan sur le classement. Donc, on a un match en moins. L'occasion de repasser premier tout de suite avec ce match de Montpellier. Donc ça sera au prochain épisode. C'est pas trop mal. La Coupe de France, bon, forcément, il y a le premier tour, comme d'habitude. Et nous, en Ligue des Champions, écoutez, on est à 4 points. On est deuxième. Donc, c'est bien quand même Francfort qui est troisième avec un point. Et le Sporting qui a perdu contre Tottenham. Ils ont pris 5 contre Tottenham, alors que dans la réalité, ils ont gagné contre les Anglais. Donc, vraiment, le Sporting décevant hein, sur ce début de campagne de Ligue des Champions. Du coup, mon recruteur là, il nous avait rien rapporté là dernièrement. Le rapport recrutement, hop, c'est pas là. Équipe, centre de formation. Ouais, on a plus de jeunes, mais ah, il y a un rapport, voilà. Il y a un rapport, j'avais pas vu dans les mails. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a rien de fou. Hein. Déjà, ça s'en va. Ça, 300 000. 140 000, non, je pensais pas la peine. 300 000, on peut regarder, mais il y a peu de chances qu'il soit vraiment très performant. À part si vraiment il est très bas et qu'il a un gros potentiel, mais en général, déjà, il est gardien. Il est gardien, il va falloir attendre, il a même pas l'âge requis. Ok, et on a combien d'argent? 10 millions. Ok, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Bon, on a un peu plus galéré qu'au dernier épisode, on est retombé un peu dans nos travers de la préparation. Et il va falloir jouer mieux les matchs, être plus réaliste aussi. Et il faudrait que je fasse un petit peu plus tourner, parce que c'est vrai que j'ai quand même... pas très bien géré, il y avait des joueurs qui étaient vite en méforme. Là, on a eu un mois assez rempli, il faudra essayer de mieux faire tourner. Là, ça va mieux quand même, hein, sur le mois d'octobre, novembre aussi. Ouais, c'était un peu le pire mois, en fait, le mois de septembre, hein, au niveau de l'enchaînement des matchs. On va voir en tout cas comment ça va se dérouler ensuite. Mais au final, la Coupe du Monde, le calendrier n'est pas du tout le même, puisque la Coupe du Monde, elle sera dans le jeu, elle sera en été 2020. Ah ben non, même pas, elle est passée, soi-disant, dans leur calcul. Je pense que c'est ça, ouais. Ça m'étonnerait qu'ils mettent la Coupe du Monde là en décembre alors qu'on a les matchs. Ouais, je pense que dans leur calcul, la Coupe du Monde était en 2022 sur l'été. Donc bon, c'est pas trop logique. Mais écoutez, c'est comme ça. On verra. On découvrira ça ensemble de toute façon. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et pour la suite de ce mode carrière avec l'Olympique de Marseille. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao.